Thank you, Goya. Please sit down. Menteri Telaka nom cuy cun saksi muncul sub sanaka. ជាកិច្ចបន្តសូមបុគ្គលវិទ្យការនេះជូនទៅលោកចក្រមសង្កមកលវែងដើម្បីបន្តតាំងសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះបន្តទៀតសូមអញ្ជើញ ចក្រម លវែង Tout à l'heure nous avons parlé de la population détenue. Vous nous avez dit qu'elle était en composée en majorité de paysans. Vous avez également parlé d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les enfants, l'enfant ou les enfants qui étaient détenus à M13? J'ai en mémoire tout particulièrement une petite fille. Et je ne crois pas me souvenir de la présence d'un autre enfant dans le camp. Je me souviens aussi avoir dit que je trouvais, avoir dit à doute que je trouvais insupportable la présence de cette petite fille qui était venue. Qui accompagnait son père. Je garde un souvenir très précis de leur arrivée dans le camp, puisque l'emplacement qui m'était destiné était à l'entrée du camp. Entrée du camp qui faisait d'ailleurs sortie. Je voyais donc les gens entrer et les gens sortir. Et le père de la petite fille a été conduit devant Doit, et Doit a consulté son dossier. Et donc, à la suite de cela, l'a renvoyé et les gardes qui avaient amené le père et la fille ont reconduit le père. Et le père, il y avait une caractéristique aussi, c'est que dans les Khmer Rouges ne répondaient jamais au salut des gardes, etc., au salut des prisonniers. J'ai toujours vu Doit répondre au salut des prisonniers. Et donc cet homme qui avait les bras attachés dans le dos, quand Doit a remis le dossier que le garde qui l'accompagnait lui avait apporté, avant de tourner les talons pour s'en aller, a salué Doit. Doit a répondu à son salut et il a regardé sa petite fille qui avait 9 ans. Je l'ai su après. Il a hésité et lui a dit quelques mots, je n'ai pas entendu, j'étais très loin, mais d'où j'étais, j'avais aussi une vue sur le devant du baraquement des gardiens qui était composé, dont l'entrée avait un auvent sous lequel Doit mettait souvent sa table de travail. Donc j'ai vu que le père a dit deux mots à sa petite fille comme s'il allait revenir. Est-ce que vous souhaitez, monsieur le juge, que je continue sur l'histoire de la petite fille?
Non, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais simplement pour savoir s'il y avait d'autres enfants, et je crois que vous avez répondu. Et simplement pour peut-être préciser que cet enfant a survécu. Oui, alors elle est restée dans le camp pendant quelques jours, elle a... Et bien entendu, elle pleurait, elle ne refusait de s'alimenter. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a été prise en main, comment dire, par les jeunes gardiens. Et elle a participé, d'abord silencieusement, et ensuite, en prenant une part pas très active, mais enfin en étant au milieu d'eux, avec eux, notamment pour les séances de... confession quotidienne. Tous les gardiens, quand ils ne pleuraient pas, au moins, s'asseyaient dans la partie qui était entre le baraquement des gardes, leur baraquement, d'une certaine manière, et l'endroit où je me trouvais situé. J'étais aux premières loges pour voir comment ça se passait. Et donc, il y avait une confection collective où chacun devait d'abord regretter ses propres manquements à la Révolution, et ensuite où chacun devait aider son voisin à se rappeler des manquements qu'il avait pu avoir, des fautes qu'il avait faites, mais dont il ne se souvenait plus. C'était donc évidemment toujours l'objet de chamaillerie, de pleurs et de punitions, en tout cas d'affrontements. Et la petite fille a participé. Et ensuite, elle est devenue, d'une certaine manière, elle a pris part au travail des gardiens. Concernant ces séances d'autocritique, vous dites qu'il fallait que les autres aident les camarades à prendre conscience des manquements qu'ils avaient pu commettre. Est-ce que cela signifie que c'était une incitation à la délation ? Tout à fait. Mais monsieur le juge, la délation était une qualité, était requise. On citait en exemple des jeunes révolutionnaires qui n'avaient pas hésité à accuser ou à faire porter les soupçons sur leurs parents, leur père et leur mère, comme des exemples de bons révolutionnaires. C'est quelque chose que vous avez entendu personnellement, que vous avez vu, ou qui vous avait été rapporté plus tard? J'ai pu voir des exemples de ce type quand, au moment où les Khmers rouges ont commencé à apparaître un peu dans la région de Siem Reap. Un peu avant, et ensuite après, mais je ne suis pas resté très longtemps, c'était en 70, au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, 70. Et très vite, il apparaissait que pouvoir dénoncer quelqu'un comme anti-révolutionnaire, sous quelque forme que ce soit, ne serait-ce que sur un juron, sur un comportement réfractaire, même si c'était quelque chose qui avait été dit d'une certaine manière sans témoin ou au milieu de gens de la famille, pas nécessairement devant des Khmers rouges, c'était suffisant pour qu'il soit ensuite appelé à aller à rencontrer des responsables Khmer Rouge et recevoir un petit papier pour les convoquer. Mais donc cette délation était déjà mise en place. Ensuite, dans le camp, il y avait quelqu'un, je n'ai jamais vraiment su si c'était comment dit-on, mouchard, si c'est comme ça qu'il faut dire. Mais en tout cas, j'avais de l'affection, de la sympathie pour lui. C'était un prisonnier qui est mort dans le camp et qui était aussi quelqu'un qui était depuis plus d'un an, je crois, me souvenir, un an et demi dans ce camp. Il n'avait rien fait, mais je pense que c'est pas quelque chose qui puisse être mis
à son bénéfice, puisque la plupart du temps, même quand on a fait quelque chose, il était considéré qu'on disait qu'on n'avait rien fait. Quoi qu'il en soit, il y avait si peu de présomption contre lui qu'il était très libre. Et il venait fréquemment parler avec moi. Et ce qu'il me disait était peut-être aussi une manière, j'ignore si Doug était au courant de ses agissements, mais c'était peut-être une manière de m'apaiser, de paraître de mon côté, pour peut-être vérifier que je n'allais pas tenter de m'évader. Mais lui-même m'a raconté beaucoup d'histoires qu'il avait vécues en territoire Khmer Rouge. Et c'est, je dirais, que la délation, qui est une autre forme du mensonge, est l'essence même du travail, comment dirais-je, de la prolifération révolutionnaire. Concernant les différentes catégories de détenus, vous avez parlé de détenus qui étaient enchaînés, entravés, et de détenus qui étaient des travailleurs qui n'avaient pas de chaîne. Est-ce que c'était un régime qui était un régime de jour? Est-ce que le régime de nuit était le même? Est-ce qu'il y avait des entraves la nuit? Est-ce que ces détenus désenchaînés étaient nombreux ou pas? Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient employés aux cuisines. Pour autant que je puisse me rappeler de ces détails-là, et je ne peux pas répondre sur la précision que vous me demandez, est-ce que s'ils étaient libres le jour, ils étaient quand même entravés la nuit? J'aurais tendance à penser que non, mais je n'en suis pas sûr. L'un d'eux, d'ailleurs, s'est sauvé quand j'y étais. Et ça avait mis les gardiens en émoi. Une partie d'entre eux était sortie du camp pour essayer de le récupérer. Ils sont revenus en disant qu'ils l'avaient rattrapé et tué sur place. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce gardien, ce travailleur qui était qui pilait le riz tous les matins et qui souvent m'apportait lui-même ma part, était quelqu'un que le très silencieux, et on a tous, je crois, rêvé à sa fuite en pensant qu'on aurait bien voulu être à sa place. Il y avait plusieurs personnes qui se déplaçaient effectivement dans le camp, mais j'ai toujours compris qu'il s'agissait de prisonniers qui était là depuis longtemps et qui avait en quelque sorte gagné le droit par leur travail, leur fidélité à la condition qui leur était imposée, le droit de se déplacer sans être enchaîné. Enfin, le droit de ne pas être enchaîné. Vous avez parlé tout à l'heure des gardiens, de leur comportement puéril, de leur très jeune âge. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails concernant donc, la situation de ces gardiens? C'était tous des enfants, il y avait des adultes, il y avait une hiérarchie. Je ne sais pas s'il y avait une hiérarchie directement entre les gardiens, je ne le crois pas. Ils avaient quelques supérieurs entre l'adjoint, si on peut dire comme ça, de Douyt, qui était plus âgé, et puis aussi quelques responsables Khmer Rouge que j'ai vu apparaître sans que je ne me souvienne beaucoup d'eux, parce que notamment un jeune homme dont je me souviens avoir vu à plusieurs reprises qui organisait les discussions et les confessions le soir entre les gardiens, les jeunes gardiens, les séances d'endoctrinement d'une certaine manière. En revanche, entre eux, il y avait beaucoup de chamaillerie. C'était des bons gamins de la campagne. Ils étaient des villages environnants. Pour plusieurs, j'en suis certain, puisque j'ai même été autorisé
je me souviens, pour la préparation du dîner d'adieu que j'ai mentionné en début de ma déposition, a accompagné l'un d'entre eux jusqu'à... C'était pas vraiment un village, c'était des maisons séparées dans la forêt claire. Mais enfin bon, jusqu'à la maison de sa mère pour acheter, commander les 13 poulets qui avaient été destinés à ce repas d'adieu. Donc c'était des jeunes garçons du coin. D'une certaine manière, ils bénéficiaient, ne serait-ce que dans le traitement de leur nourriture, et aussi, j'imagine, de la part de leurs supérieurs, ils bénéficiaient de cette protection du peuple acquis à la Révolution, qui permettait que ces enfants aillent travailler avec les révolutionnaires. Ça les protégeait d'une certaine manière. Leur comportement entre eux était celui d'enfants qui s'amusaient, qui étaient cruels et pervers, et en même temps gentils et sympathiques, mais c'était jamais les mêmes. Enfin, je veux dire, ils bougeaient beaucoup entre eux. Du jour au lendemain, non, je me suis mal exprimé, c'était toujours les mêmes gardiens que j'ai vus en 3 mois, ils n'ont pas changé eux, mais leur comportement était volatile, et donc ça n'était pas, on ne pouvait pas s'attendre à ce que celui qui était sympathique le lundi le soit encore le mardi. Alors, venons-en aux interrogatoires. Il a été question de méthode douce. Est-ce que c'est un nom que vous avez entendu? Est-ce que ces mots ont été employés quand vous étiez à Mitre? Non, monsieur le juge, je pense qu'en ayant employé ce mot, j'ai fait un anachronisme. Parce que je sais qu'à S21, pour l'avoir lu, il y avait la méthode douce et la méthode forte. En ce qui me concerne, je n'ai pas voulu me référer à une technique particulière, j'ai simplement voulu dire que moi, je n'ai pas été battu, je n'ai pas été, disons, torturé pour faire des aveux, pour que me soient extirpés des aveux. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez indiqué qu'on vous avait demandé de rédiger une déclaration d'innocence. C'est les mots que vous avez employés. Alors, j'aimerais savoir si effectivement on vous a demandé de rédiger une telle déclaration, ainsi qualifiée, ou est-ce qu'on vous a demandé de rédiger des confessions? Ça ressemblait peut-être un peu à ça, mais je me souviens, à moins que ce terme, je l'ai inventé entre-temps, mais j'ai toujours eu le souvenir qu'il s'agissait de déclaration d'innocence, c'est-à-dire d'un texte que je devais rédiger pour montrer que j'étais innocent des accusations qui m'étaient portées. Et c'était normalement le développement ou la seconde partie d'un curriculum vitae où je devais décliner mon identité, donner toutes les précisions sur mon père, ma mère, etc. Et puis aussi les raisons, donc, puisque moi j'étais étranger, qui avait fait que je venais au Cambodge, et où je jurais, et je dois dire que pour donner plus de consistance à mes plus de vérité à ce que j'écrivais, j'écrivais en permanence, enfin à chaque fois, je jure sur la tête de ma fille. Que je n'ai jamais été, etc. C'était d'une certaine manière, je devais dire que j'étais innocent. Mmh.
Vous nous avez parlé également de ce que vous avez pu voir dans une cabane située de l'autre côté de la berge, de la rivière, et des déductions que vous avez faites à partir de ce que vous avez vu. Pour autant, est-ce que vous avez été le témoin direct de scènes de violence? Est-ce que vous avez entendu des cris? Est-ce que vous avez entendu des choses qui, en dehors de ce que vous avez vu, vous laissez penser que des pratiques violentes étaient exercées? Jamais. Je n'ai jamais entendu de cris et je n'ai jamais été témoin d'aucune violence pendant toute la durée du camp de mon incarcération à M13. En revanche, il me revient, me semble-t-il, que, ayant été autorisé à discuter avec mes deux collaborateurs, à partir du moment où d'autres ont accepté que eux, comme moi, soient détachés, nous avons eu l'occasion de nous asseoir ensemble et de parler un peu. Comme je vous l'ai dit, monsieur le juge, eux étaient certains que, mais sans oser me le dire directement, mais que je ne serais pas libéré. En tout cas, ils le craignaient. Et ils m'ont dit qu'ici, les prisonniers étaient frappés, qu'ils l'étaient à coups de verge sur les côtes. Et que, comme chaque prisonnier portait une chemise, cette chemise noire à boutons, même quand elle était déchirée, il continuait quand même à la porter, ce fait faisait que personne ne voyait les traces des coups qu'il pouvait recevoir. Je ne pense pas me tromper en me rappelant ce point qui m'aurait été révélé par mes deux compagnons. Voilà, vous nous avez fait état également des déclarations que l'accusé a pu vous faire au cours d'une soirée. Je pense pas nécessaire de s'apesantir sur ce que vous nous avez déjà déclaré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi des conversations que vous avez pu avoir avec Duc concernant les relations entre les Khmers rouges et les communistes Vietcong? Parmi les premières choses que je pense avoir dites à Duc, il y avait cette constatation, cette observation que tout le monde faisait. C'était, mais vous êtes en cheville avec les Nord-Vietnamiens, vous les Khmers Rouges. Mais est-ce que vous imaginez qu'une fois que vous, ensemble, vous aurez gagné, ils vont partir pour vous laisser la place? Je pense qu'en disant cela et en traduisant ma méfiance vis-à-vis des divisions vietnamiennes qui étaient entrées dans le Cambodge avec comme principal viatique le nom de Sihanouk, et puis une cigarette, des divisions vietnamiennes rentrées dans les villages, je les ai vues entrer à Srasrang en tendant une cigarette aux paysans qu'ils croisaient sur leur chemin, et comme seul mot cambodgien, c'était Sihanouk, Sihanouk. Je ne fais que rapporter un fait. Mais que, en traduisant cette méfiance, j'entrais, je crois, dans la ligne du parti qui était, semble-t-il, déjà à cette époque, en train de prendre des distances vis-à-vis de leur collaboration, si on peut parler de collaboration, avec le grand frère voisin.
J'avais aussi fait valoir que, en réalité, quand j'ai été, quand les divisions nord-vietnamiennes sont arrivées dans la région de Siem Reap, et que le village où j'habitais, à 13 km au nord de Siem Reap, a lui-même, s'est trouvé lui-même de l'autre côté des lignes vietnamiennes qui avaient encerclé Siem Reap, j'ai tenté une sortie pour rejoindre la conservation d'Angkor, comme tous les matins, pour rejoindre mon lieu de travail, sans me m'être rendu compte clairement que les routes étaient coupées et que les soldats nord-vietnamiens étaient déjà en place. J'ai donc été arrêté par, par les Vietnamiens et ensuite j'ai été mis en contact avec un gradé qui est venu une ou deux heures après pour m'interroger très rapidement. L'homme avait une cinquantaine d'années et je n'étais pas autorisé à me lever, je devais rester assis. Il m'a fait dire mon nom, il me l'a fait écrire dans le sable, dans la terre, avec mon doigt. J'ai écrit mon nom avec mon doigt. Il m'a demandé ce que je faisais, où j'étais, qui j'étais, et il m'a dit que j'avais beaucoup de chance de m'être fait arrêter par ces soldats, parce que si j'avais continué avec la... En fait, j'ai été pris par les Nord-Vietnamiens avec deux blessés, un soldat qui avait une balle dans le ventre, qui avait été qui faisait partie d'un camion renversé sur le bord de la route, à côté duquel je suis passé pour rejoindre la conservation d'Angkor. Il y avait un jeune garçon qui avait reçu un éclat du B-40 probablement, qui avait été tiré sur le devant du camion. Et au milieu des morts, il restait deux personnes vivantes. Ce petit garçon qui avait le bas du ventre ouvert par un éclat, et ce soldat Khmer qui avait une balle dans le ventre. Et je les ai mis dans la voiture pour les emmener avec moi à l'hôpital de Siem Reap. Donc j'ai été arrêté et l'officier vietnamien m'a fait rentrer au village en me disant que si j'avais continué plus loin, ne serait-ce que 500 mètres de plus, j'aurais été immédiatement, j'aurais reçu un début de B-48. Excusez-moi de m'interrompre, mais là je pense qu'on s'écarte un peu. Quand tout même. À fait, excusez-moi. Je voulais poser une question précise, savoir est-ce que vous pouvez nous dire ce que Duc, quelles étaient les relations entre, précisément à ce moment-là, entre les Khmer Rouges et les Nord-Vietnamiens. Est-ce que vous avez été informé de l'existence de plans particuliers? Est-ce qu'il y avait des choses particulières qui étaient prévues? Oui, excusez-moi, je me suis laissé entraîner par mon souvenir. En fait, cet officier vietnamien m'a fait un laissez-passer pour retourner à mon village. Et ensuite, je ne me suis plus jamais déplacé sans avoir ce laissez-passer sur moi. Et je l'ai ici d'ailleurs avec moi. C'est un laissez-passer qui est écrit en vietnamien, qui dit, en gros, laissez-passer le grand frère Bizot, enfin le camarade Bizot, je ne sais pas comment il faut dire, pour rejoindre sa maison. Les termes étaient suffisamment larges pour que ça soit encore utile. Et quand je me suis retrouvé à Phnom Penh, comme en charge du centre de l'école française à Extrême-Orient à Phnom Penh, et que je sortais dans la province, j'avais toujours ce laissez-passer vietnamien parce que les troupes que l'on rencontrait, ou qu'on risquait de rencontrer, étaient évidemment les Vietnamiens, et non pas des Khmer Rouges qui étaient encore en très petit nombre. Et quand j'ai été arrêté, j'ai cru que c'était quelque chose qui pourrait être perçu favorablement, de montrer que j'avais un laissez-passer vietnamien, et j'ai su par la suite que c'était quelque chose qui avait été retenu à charge contre moi.
Voilà. Quant à doute, je pense qu'il a probablement, dans la mesure où il s'est exprimé là-dessus, sur ce point-là, mon souvenir n'est pas précis, mais je pense qu'il était lui-même très attentif à cette présence des Nord-Vietnamiens qui était un danger pour son pays. Vous avez été donc libéré, vous avez écrit un livre qui s'appelle donc Le Portail. En quelle année avez-vous écrit ce livre? J'ai écrit ce livre en 2000, monsieur. À la page 26 de ce livre, vous avez écrit ceci. J'avais par un malheur au hasard été un de ceux-là, en parlant d'un des témoins. Le 10 octobre 71, alors que je m'étais rendu pour mes recherches dans un monastère de la région d'Udong, à 30 km au nord de Phnom Penh, j'avais été arrêté puis enchaîné dans un camp de détention Khmer Rouge. Pendant trois mois, j'avais vu l'abomination répandre sa chape sur les campagnes. Dès ma libération, l'ambassade de France m'avait demandé de traduire un texte sur le programme politique du Front Uni National du Kampuchea que j'avais rapporté du maquis. Son contenu préfigurait l'horreur. Déjà y était annoncée l'évacuation des villes et la mise en place d'un collectivisme étatique reposant sur une population réduite. Ces avertissements, dûment relayés à Paris, n'avaient cependant pas trouvé la moindre écoute. Et la France avait opiniâtrement maintenu son soutien au Khmer Rouge. Alors, je souhaiterais savoir, non, vous faites état dans vos documents. Est-ce que ces documents correspondent à ce que vous avez décrit dans votre livre ou est-ce que vous avez un autre souvenir aujourd'hui? C'est au cours du dîner qui a été organisé pour mon départ par les Khmer Rouges, par les chefs Khmer Rouges de la région, Dom Lien, que le haut responsable de ce dîner, il y avait à peu près 8-9 personnes, celui qui prenait tout le temps la parole pour me parler, pour rire, pour faire des commentaires politiques sur la future victoire des Khmer Rouges. Au bout d'un certain temps, m'a dit qu'il souhaitait, parce que les Khmer Rouges étaient déjà très présents dans la ville de Phnom Penh, mais qu'il était difficile pour les révolutionnaires d'accéder aux ambassades. Et il me demandait si j'accepterais de ramener des documents pour l'ambassade de mon pays. J'ai accepté ces documents qui m'ont été remis dans une chemise, laquelle je l'ai glissé immédiatement dans la mienne, en demandant simplement, avant qu'ils me donnent ces documents, que ce ne soit pas trop volumineux, parce que je ne pouvais pas, j'avais peur aussi d'être fouillé en arrivant. En fait, ma libération, si elle avait été obtenue de haute lutte, auprès des Khmer Rouges, entraînait aussi mon retour à Phnom Penh en milieu républicain, au sein duquel il était tout à fait vraisemblable que je suscite une certaine
interrogation, étant donné que jusqu'à présent, les seuls prisonniers qui avaient été libérés étaient des prisonniers qui avaient été des Vietnamiens. Les quelques-uns qui avaient pu être faits prisonniers par des Khmers Rouges, pour autant qu'on le sachait, qu'on le sache, n'avaient pas été relâchés. Et ces documents contenaient deux fascicules imprimé en Khmer. Je ne peux pas me rappeler du titre ni réellement du contenu. En revanche, j'ai traduit moi-même ce texte parce que je vivais, enfin, vivais, c'était un bien grand mot parce que ça a pris 3-4 jours seulement. J'ai pris des précautions de voleur pour le faire, étant donné que je n'avais qu'une peur d'être pris s'il y avait une fouille à la maison, chez moi, en possession de ce document, qui aurait signifié pour moi mon départ du Cambodge. Or, c'était la seule chose que je ne voulais pas. Je voulais pouvoir continuer à rester au Cambodge avec ma famille et faire le travail que je faisais, qui était un travail que j'aimais. C'était mon seul souci. Et donc, j'ai traduit rapidement. C'était un travail très difficile de traduction. Et j'ai remis ce texte à l'ambassade de France, ainsi que les photos qui accompagnaient. Il y avait une vingtaine de photos qui étaient toutes des photos d'époque, en noir et blanc, je veux dire, bien sûr, qui montraient des soldats khmer rouges, peut-être leur armement, d'une certaine manière, j'y ai pensé depuis, et qui montraient aussi quelques personnalités du régime khmer rouge qui étaient, à l'époque, on en parlait déjà, comme étant, ayant été supprimés par le régime. Il y avait des photos de Huyun et de Hunim, qui semblaient bien vivants, en tout cas sur les photos qu'on m'avait remises. Si j'ai pu me souvenir davantage de ce texte, c'est que quand je me suis mis à écrire, quand j'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre, je me suis rendu compte que j'avais bien du mal à me rappeler des détails de cette époque de ma vie passée qui, pour le coup, ne reposait pas sur des sensations, sur des émotions. J'ai écrit ce livre non pas comme un rapport, ni comme un témoignage, mais sur la base d'un ressenti. Et dès lors qu'il s'agissait d'un texte politique, de toute évidence, comment en parler et comment y faire référence? J'ai eu la chance de retrouver au Quai d'Orsay, dans les archives du Quai d'Orsay, et comme il n'y avait pas encore tout à fait 30 ans, j'ai demandé une autorisation spéciale et j'ai pu obtenir une copie, non pas malheureusement, du texte que j'avais traduit, mais du résumé que le chargé d'affaires de l'époque, M. Amiot, avait lui-même fait ce résumé de ma traduction. Et ce résumé de ma traduction se trouve aux archives du Quai d'Orsay. J'ai une copie de ce résumé qui ne dit pas grand-chose. C'est un texte qui m'a paru que manquait pas mal d'intérêt, de manquer de beaucoup d'intérêt. En tout cas, au moins, le titre s'y trouve. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu être assez précis en rapportant ce titre dans mon livre. Alors, je précise que des vérifications ont été faites par les co-juges d'instruction concernant ces éventuels documents. Des demandes ont été adressées au ministère des Affaires étrangères que deux documents portant le titre « Programme politique du Front uni national du Kampuchea » ont été retrouvés
figure donc au dossier au code E27.1.3 et E27.1.4. Je pense que, je ne sais pas s'il est parti ou l'occasion de lire ces documents, mais je pense qu'il est facile de convenir qu'ils ne correspondent pas à la description que vous en donnez dans votre livre. Et en tous les cas, je n'ai pas vu qu'il y soit mention de l'évacuation des villes ou la mise en place d'un collectivisme étatique reposant sur une population réduite. Excusez-moi. Effectivement, ça n'est pas dans le résumé. Donc, vous pensez avoir éventuellement pu reconstruire un souvenir et y inclure ce que vous avez reporté dans votre livre ou est-ce que c'est quelque chose dont il était déjà question en 1971. Toutes les possibilités sont à prendre en compte, monsieur le juge. En revanche, je crois me rappeler en particulier qu'il y avait un terme que j'ai eu du mal à traduire ce texte. Il y avait un terme que j'avais traduit par Richard, parce que c'était une sorte de néologisme que j'avais du mal à comprendre et qu'il me paraissait que de dire les riches ne correspondait pas moins bien, et je l'avais traduit par Richard. Je ne crois pas avoir élaboré ce texte en dehors de son contenu, dont je me souviens largement, mais sans précision non plus, mais il est probable que les termes que j'emploie dans le livre sont des termes qui ont été utilisés par la suite, aussi bien dans les journaux que dans les poncifs qui ont été répétés, collectivisme local, population réduite, et que ces termes précis, je les ai utilisés à propos d'un texte dont je ne me rappelle que la teneur générale. Dernière question. Vous avez fait état de l'analyse et de la remise en cause de votre analyse du comportement humain que Duc avait pu susciter en vous. Je vais lire une phrase qui se trouve dans votre livre, le portail, page 428. Vous avez dit ceci: les êtres qui appartiennent à notre histoire, que le temps a niché tout au fond de notre souvenir, même s'ils ont été l'instrument de notre malheur, finissent par réveiller en nous une sorte d'affection. Alors, je précise que quand vous écrivez cette phrase, vous ne parlez pas de Duc, mais vous parlez d'un nommé Duong, qui en fait était une personne qui avait procédé à votre arrestation en 1971. Pour autant, est-ce que cette phrase, selon vous, s'applique aussi à Duc? Le portail a été écrit 30 ans après. À travers le souvenir de mes peurs, de mes émotions, de mes sensations sur le moment, lesquelles ne m'ont jamais quitté depuis 38 ans.
Ce que je rapporte de doute et de M13, c'est donc ce que j'ai vu avec mon propre regard, vécu et ressenti sur le coup et en fonction des traces en moi laissées par ce ressenti. C'est une démarche littéraire qui s'appuie sur une reconstruction, un ressenti, ce qui n'exclut pas qu'à travers les images, les émotions qui sont restées en moi, j'ai retrouvé, peut-être pas la chronologie, mais avec une certaine vérité, sinon exactitude, les situations qui me sont arrivées dans ce corps. Et les propos qui ont été tenus, soit par doute, soit par moi, soit par des gardiens et que je rapporte, l'ont été, non pas sur la base des mots qu'ils ont prononcés, mais sur la base du contenu des échanges ou de ce qui avait été ou sur ce que cela voulait dire. Maintenant, vous avez fait référence sur un point précis de l'affection que certaines choses peuvent rester gardées. On peut garder de certaines choses, même quand ils ont été instrumentaux de malheur. Je dois dire que ma rencontre avec Duit a marqué mon destin et toute ma réflexion et tout ce que je suis aujourd'hui. Pour une raison simple et tragique, c'est que je dois m'arranger moi-même avec ce qui est en moi par rapport à une donnée double, celle d'un homme qui a été le vecteur, le bras d'une tuerie étatisée. Et je ne peux pas m'imaginer me mettre aujourd'hui à sa place avec en soi-même autant d'horreurs perpétrées. Et d'autre part, le souvenir que j'ai d'un jeune homme qui s'était engagé, qui a engagé sa vie, son existence, pour une cause et vers un objectif qui s'appuyait sur l'idée que le crime n'était pas seulement légitime, mais qu'il était méritoire. Je ne sais pas quoi faire de cela, monsieur le juge. Mon existence m'a amené à côtoyer intimement l'un et l'autre et je ne peux pas me débarrasser de cette idée que ce qui a été perpétré par Duit aurait pu l'être perpétré par un autre. Et qu'en essayant de comprendre, il ne s'agit pas un seul instant de minimiser la portée, la profondeur, l'abomination de son crime. Ce crime qui est le sien, c'est là où les choses sont particulièrement difficiles pour moi.
J'ai senti que c'était celui d'un homme et que pour en mesurer l'abomination, c'était certainement pas en faisant de doute un monstre à part, mais c'était en réhabilitant en lui, ou plutôt en lui reconnaissant cette humanité qui est la sienne comme la nôtre et qui est manifestement qui n'a pas été manifestement un obstacle aux tueries qu'il a été perpétrées. C'est cette prise de conscience de, des caractéristiques de l'ambiguïté de cette humanité qui cause mon drame aujourd'hui, monsieur le juge. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aurai quelques questions à poser maintenant à l'accusé lui-même. Je vous demandais, Monsieur le Président, si vous pouviez me donner l'autorisation de poser quelques questions maintenant à l'accusé lui-même. Alors, ma première question est la suivante. Vous vous souvenez que lorsque je vous ai posé des questions concernant les conditions d'hygiène des détenus, vous avez affirmé de façon très ferme que les détenus avaient la possibilité d'aller se laver à la rivière. Vous venez d'entendre ce qu'a dit le témoin. Il a dit qu'il était le seul à avoir eu ce privilège. Alors j'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur ce point très précis. ដូច្នេះកូនដូច្នេះកូននិយាយនឹងពិតហើយកន្លែងនោះជន់រងគ្រោះដែលទៅចប់ទោះនៅទីនោះអត់មានបានតែមួយទឹកទេកន្លែងដែលយើងខ្ញុំបានផ្ទាល់រាយការជូនលោកកក្រមអសិលមាញ់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺកន្លែងមួយផ្សេងទៀតថ្មីទៀតដែលយើងខ្ញុំទៅចប់បាត់ស្ទឹង Si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que au moment où M. Bizot était détenu, les autres détenus n'avaient pas la possibilité d'effectuer leur toilette à la rivière. Oui. Bien.
Vous avez également, je suppose, entendu le témoin dire que le mensonge était l'oxygène que l'on respirait, qu'il y avait par ailleurs la présence de la mort extrêmement forte, et il a également fait état de ce que vous lui avez dit à propos de la, la torture, puisque c'est le mot qui a été employé. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela. Et ensuite, j'aurai une autre question. រឿងទេរណកម្មខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រុមហើយដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើទេរណកម្មទៅលើគិញម្នាក់ឈ្មោះកៅប៊ុនហៀងឬកៅឈុនហៀង ដូច្នេះ ប្រហែលជារឿងនឹងឯង ដែល ខ្ញុំ យកទៅនិយាយ ជម្រាប លោក មីសូ រឿងផ្ទះខ្ទមមួយដែលគាត់ឃើញហើយមានខ្សែមានកង់អីហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាគិតភោទេតែមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេ សំមិនជាក់ថាមុនកកកើតមន្ទីរ 13 មានមន្ទីរនគរបាលរួចទៅហើយដែលតាមកដេញចោលដឹកនាំដោយពួកហាណូយ ដូច្នេះអាចសំណល់ពីពួកនោះមកក៏មិនដឹងហើយយើងខ្ញុំទៅជន់កន្លែងគេចាស់ក៏មិនដឹង ទេរណកម្មក៏យើងខ្ញុំបានបានបដិសេធយើងខ្ញុំទទួលមានហោហាយយ៉ាងតិចណាស់ក៏ពីរដែរតែតាមខ្ញុំចាំនឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ប៉ុណ្្នឹង Qu'est-ce que c'est que ce bureau de police tenu par des gens de Hanoï? ថាតើការិយាល័យឬក៏មន្ទីរសន្តិសុខរបស់អ្នកដែលមកពីហាណូយនោះនៅកន្លែងណាចៅក្រុមទេសំណួរវាមិនដែរចំតឹងគឺមន្ទីរនគរបាលដូចគ្នានឹងម៉ូ 13ដែរ តែតាមកកដេញចោលកដរំលាយចោលមុនកកើតម៉ូ 13ខ្ញុំបានទទួលភារកិច្ចជាប្រធានមន្ទីរ13នេះខ្ញុំចេះតែដេញសួរបង្ហុកដែររឿងអីបានជាតាមករំលាយនគរបាលពូហាណូយ Je vais donner lecture d'un autre extrait du livre de M. Bizot. Il s'agit d'un passage qui se trouve à la page 184.
Donc c'est le dialogue entre vous et François Bizot. François Bizot dit ceci: j'ai cru deviner à des bribes de conversation que des prisonniers de notre camp avaient été attachés et battus. Réponse, votre réponse. La plupart des gens qui arrivent ici, expliqua-t-il après un silence, ont été pris en flagrant délit d'espionnage. C'est ma responsabilité de les interroger pour savoir quels sont leurs contacts, quel type d'informations ils recherchent, qui les paye. Un seul de ces traîtres peut mettre en danger tout notre combat. Imagines-tu qu'ils vont dire ce qu'ils savent de leur plein gré? Question de François Bizot. Mais qui frappe? Ah, coupa-t-il. Donc vous donnez votre réponse. Leur duplicité m'insupporte au plus haut point. La seule façon est de les terroriser, de les isoler, de les affamer. C'est très dur, je dois me faire violence. Tu n'imagines pas combien leur mensonge me met hors de moi. Quand je les interroge et qu'ils recourent à toutes les ruses pour ne pas parler, privant ainsi notre commandement d'informations peut-être capitales. Alors, je frappe jusqu'à en perdre le souffle moi-même. Est-ce que ce qui est rapporté dans ce livre correspond à quelque chose qui éveille des souvenirs en vous, quelque chose qui correspond à une certaine réalité? ខ្ញុំនៅតែជឿថារឿងដែលខ្ញុំជម្រាបលោកមីសូជារឿងតែមួយគាត់ដែលខ្ញុំសួរចម្លើយគិញម្នាក់ឈ្មោះកៅប៊ុនហៀង ដល់ឃើញចឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងដែរខ្ញុំដើរត្រវៃពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរចង់ជើងទៅទាញបាត់ទៅអានោះលើកដៃសំពះ ខ្ញុំលើកដៃសំពះខ្ញុំសម្ដែងតរវាយវាលើកដៃសំពះខ្ញុំដូចវាយមិនវាយវិញលេងកើតដូចនេះវាអត់វាអស់កម្លាំងពេលនឹងចង់ងប់ហើយយកឲ្យគេទៅទុកដូចនេះវាហត់វាអស់កម្លាំងវាវិលមុខគឺនៅពេលនឹងឯងមានតែម្ដងនឹងឯងដែលសុខភាពខ្ញុំវាមិនអំណោយ
ខ្ញុំមិនអំណោយទទួលជួបនឹងបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមកទៀតខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំស្ទុះត្រូវបាយមែនហត់មែនចង់ដាច់ដង្ហើមខ្លួនឯងមែន Excusez-moi de l'interrompre, mais est-ce que on doit comprendre Est-ce que on doit comprendre ce que vous nous dites que ce que M. Bizot rapporte ne correspond pas à ce que vous lui avez dit? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ce n'est pas la vérité? ខ្ញុំមិនបានមើលអត្ថបទនេះរបស់លោកប៊ីសូច្បាស់លាស់ទេ ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំបានចាំហើយខ្ញុំធ្វើគឺរឿងដូចដែលខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោកចៅក្រមអញ្ចឹង នៅពេលចំពោះមុខនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមហើយបដិសេធចម្លើយលោកប៊ីសូទេរឿងវាសាមសិបឆ្នាំហើយទុកពេលវេលាឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកពិចារណា Alors, juste une précision, ce livre, vous l'avez en votre possession, il vous a été remis par vos avocats. Donc, vous ne l'avez pas lu. Bien sûr, je ne l'ai pas. Simplement, à la page 169, il a écrit de la perte de l'Aïsson. Vous vous souvenez de la page précise, mais vous ne vous souvenez plus de ce qui a été écrit concernant la torture. ខ្ញុំគិតថារឿងទារុណកម្មរឿងអីនេះជាអកតកម្មដែលវាមានទៅលើជនរងគ្រោះមែនពិត ខ្ញុំដឹងថាលោកប៊ីសូតនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលបានវាយខ្ញុំអត់ដែលបានកំហុសខ្ញុំអត់ដែលបានអីទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញទុកសោករបស់គាត់ដែលធំគឺរឿងឡាយហើយនឹងសន់នឹងឯង Alors, j'ai une dernière question. Il a été beaucoup question de votre désir de connaître la vérité, de votre haine du mensonge. Je voudrais savoir si vous confirmez ce qui est à la cote D67 du dossier. Il s'agit de l'un de vos interrogatoires. Et les co-juges d'instruction vous imposaient la question suivante. Ceci, alors je ne sais pas, alors je vais donner peut-être le numéro d'IRN également, c'est le 00-17-76-45, dans la version française. D67. La question qui est posée est la suivante.
Ceci conduit à vous interroger sur la valeur que vous accordiez au contenu des confessions. Pensiez-vous qu'elle reflétait la vérité? Votre sentiment a-t-il évolué sur ce point au fil des années? Vous expliquez un certain nombre de choses concernant S21, on y reviendra peut-être plus tard, mais vous dites également ceci un peu plus bas. En réalité, déjà du temps de M13, je savais que les confessions ne reflétait pas la vérité. J'ai été forcé de travailler au service d'une organisation criminelle toute ma vie et j'assume ma responsabilité pour cela. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des commentaires? តើលោកមានមតិយោបល់ទេអំពីពាក្យដែលលោកបាននិយាយខ្ញុំឮលោកកៅក្រុមអានច្បាស់ហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាថានេះជាសេចក្តីឆ្លើយទៅតាមគោលជំហរខ្ញុំដែលវិភាគទៅលើសេចក្តីសារភាពដែលយើងខ្ញុំទទួលបានដោយទីរណកម្មយើងខ្ញុំនឹងតែទទួលស្គាល់ថានេះជាអក្រិតកម្មដែលអត់ប្រកែក Ma question est plus précise. Vous dites textuellement ceci. Déjà du temps de M13, je savais que les confessions ne reflétaient pas la vérité. Alors, est-ce que vous confirmez que vous saviez que les confessions étaient contraires à la vérité? Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase que vous avez dit? Peut-être qu'il y a eu un problème de traduction. យ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹម20%បើអំពីចំនួនដែលមនុស្សដែលគេឆ្លើយដាក់វិញកាន់តែតិចទៀតហើយយ៉ាងច្រើនដល់10%. Est-ce qu'il y avait une vérité qui était une vérité d'ordre politique ou une vérité qui devait être conforme à une ligne prolétarienne, je ne sais pas comment la qualifier, qui faisait qu'on occultait le fait que ça ne soit pas la réalité? សុំកន្តិសិនសុំនេះជ្រឹងណាខ្ញុំពិបាកឆ្លើយ. យល់ល្អសុំលោកចៅក្រមមេត្តាសួរសំណួរដែលមាននេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមាននេះចែកជាពីរបីសំណួរ.
vous avez dit que 20% seulement des confessions étaient conformes à la... Vous avez dit que seulement 20% des confessions étaient conformes à la vérité. Ma question est la suivante. Est-ce que, pour le reste, elles étaient conformes à une vérité qui n'était pas la réalité, mais qui était la vérité voulue par le parti, par la ligne prolétarienne, par l'idéologie? Alors, une ultime question. Vous avez entendu aussi ce dont il a été question à propos de la délation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la délation? Vous n'avez pas entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, mais je ne comprends pas le mot délation. La délation, c'est le fait de dénoncer. Est-ce que la dénonciation faisait partie des principes que l'on devait mettre en œuvre pour devenir un bon révolutionnaire? Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure? Il était apprécié de pouvoir, par exemple, dénoncer ses propres parents.
ែចំណែកក្នុងការអនុវត្តវិញខ្ញុំបានរៀបការជូនលោកចៅក្រមហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យកូនចៅគេរៀបការពីម៉ែឪគេទេខ្ញុំជ្រើសរើសកូនកសិករដែលល្អមកដើម្បីពឹងពាក់យោងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះកូនជំហរដូច្នេះខ្ញុំអត់ដែលហ៊ានចង់ឲ្យអ្នកណាអនុវត្តឯងមីគោលការណ៍រីកាចតប្រកាន់អពីពុកម្ដាយខ្លួនឯងទេឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវជប់សម្រាប់នៅពេលល្ងាចហើយអង្គជំរះសាលាដំបងប្រកាសបាក់សម្រាប់ការការពិភាក្សាដីដោលនៅថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសម្រាប់ការនឹងបន្តនៅពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែកទី9ខែមេសាចាប់ពីម៉ោង9តទៅអនុរៈមន្ត្រីខុំខាំងនាំជនជាប់ចោតកាំងកាអ៊ីវទៅកាន់មន្ត្រីខុំខាំងវិញហើយនឹងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់ទីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកលោកប្រងសវិសុដោយហេតុអង្គសម្ដានការត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយលោកនៅជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ទៅដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសូមអញ្ជើញលោកមកកាន់បន្ទប់សម្ដានការនេះចាប់ពីម៉ោង9នៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយមន្ត្រីតុលាការសហការជាមួយនឹងវិសុដើម្បីជួយសម្រួលដល់សាកសីរូបនេះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងឆ្នាក់នៅវិញនិងសម្រួលឲ្យគាត់ត្រឡប់មកកាន់សម្ដានការវិញឲ្យបានទាន់ពេលមុនពេលម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃស្អែកហើយសូមជម្រាបដល់អ្នកចូលរួមក្នុងទេវធីសន្មការនិងសាធារណជនដូចគ្នាគឺសូមអញ្ជើញចូលមកសម្មការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹក